Bonjour et bienvenue dans ce 12-13. Je vous emmène hors la ville, loin des métropoles. Elles ont raison, fantastique la majorité sur les personnes. Elles, ce sont les fourmis Papilloma merveilleuse, une espèce non dangereuse mais invasive qui se répand dans les jardins d'un quartier de Saumur, dans le Maine-et-Loire. La mêlée appelle aux scientifiques pour mieux comprendre le phénomène et proposer des traitements efficaces. Étrange phénomène. À peine rencontré sur le pas de sa porte, cette dame est en proie à des mouvements désordonnés. Elle ne pourra même que du pape, là. Un évêque emblématique. C'est l'eau de la bande à droite. Donc notre évêque, Benoît Clavé, eh bien il est né à Montfort-l'Art, et donc en 1808, eh bien il reçoit un appel du pape, il souhaite me nommer évêque, et il sera donc le deuxième évêque. C'est trop particulier. C'est un peu... Aujourd'hui, personne ne semble savoir comment cette infestation repérée dans le sud de l'Écosse a pu remonter jusqu'à la Loire. Ça se décrète pas sur un plan que ça se fait pas avec des pelles mécaniques. Tout hypothéqué pour ça, je comprends pas. Florent Colliro est en colère. Cet apiculteur savoyard s'oppose au déménagement de la centaine de ruches qu'il exploite ici depuis 10 ans. En cause, l'agrandissement du parc. Ici la zone potière, enfin, là où étaient les ateliers potiers, donc ça nous permet de mieux comprendre comment était le site et comment était la vie, de mettre en situation en fait les édifices comme ils étaient à l'époque.